Venez nous rejoindre pour la cérémonie d'ouverture. Yeah, I'm sorry that I love. No, I'm not good at this, but I can't say I'm innocent, not hardly. But I'm sorry, and all my friends, they know when it's true. I don't know who I am without you. I got it bad, baby, got it bad. Oh, tell me you love. Someone on days like this, I do. On days like this, oh, tell me you love me. I need someone on days like this, I do. On days like this, oh, can you hear my heart say? Bravo! On applaudit très fort les petites danseuses de Fabienne Henrot. Et voilà l'instant magique qui consiste à ouvrir cette 7e édition du Relais pour la vie de Verviers. Ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur de voir que certains d'entre vous sont là pour la 7e année consécutive. Il fait beau, le soleil est au rendez-vous. Le marqueur indique 14h59. C'est vraiment le temps idéal pour céder la parole à Madame Anne, la présidente du comité d'organisation, qui va vous expliquer tout ce qu'elle a envie de vous expliquer sur le déroulement de ces 24 heures. Merci Michel et bienvenue à tous. Alors vous êtes tous en forme ? Oui ! On n'en doute pas, quand on vous voit aussi nombreux, c'est toujours très impressionnant. Donc pour ce 7e relais pour la vie de Verviers, qui est toujours une édition fabuleuse, on a l'impression qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et elles sont surtout belles parce qu'on rencontre de très belles personnes.
On rencontre des battants et on rencontre autour d'elles des personnes fabuleuses qui les soutiennent, même si elles sont, enfin, ce sont des accompagnants au jour le jour, mais c'est aussi des personnes qui sont très proches des personnes malades. Alors, comme d'habitude, je ne veux pas laisser les gens debout, sous le soleil en plus, sans bouger, mais je voudrais quand même qu'on se souhaite un très beau week-end de Relais pour la vie. Je ne sais pas ce qu'on a fait au ciel, mais je pense qu'il est très content parce que depuis cette édition, nous avons un magnifique soleil. Et je vous propose de l'applaudir, ce soleil, pour qu'il reste avec nous pendant 24 heures. Alors, je vais passer la parole à Claudine, qui représente, je vais dire, une équipe qui est aussi de la partie germanophone, parce qu'il est important pour nous qu'on accueille aussi les personnes qui parlent allemand. Ich möchte ebenfalls als alle unsere deutschsprachigen Freunde willkommen heißen. Seit 7 Jahren treffen wir uns hier in Hösi, um kranke Menschen zu unterstützen und zu ermutigen. Ich wünsche euch allen diesen Relais in einer warmen Atmosphäre, so wie jeder es empfindet, so wie jeder es gerne hat, zu erleben. Ich habe ebenfalls das Vergnügen, ankündigen zu dürfen, dass nächstes Jahr Lauf für das Leben in Alpen stattfinden wird. Am 29. und 30. Juni 2019. Herzlichen Dank an alle für eure Anwesenheit. Schönes Wochenende. Merci Claudine. Pour ceux qui ne parlent pas allemand, Claudine a annoncé aussi que l'année prochaine, il y aurait le dernier week-end du mois de juin, un relais pour la vie à Eupen. Donc même si on n'est pas germanophone, je crois que ça vaut la peine aussi de les soutenir l'année prochaine. Et je vais passer la parole maintenant à Doudou, qui est une figure bien connue pour son soutien notamment au camp Tournesol, qui a fêté un anniversaire particulier cette année. Voilà. Je voudrais d'abord, mon premier mot, c'est vous dire merci à tous. Merci au papa, merci aux mamans, aux mamies, aux papis, à tous ceux qui ont fait confiance à la Fédération belge contre le cancer, anciennement l'œuvre belge du cancer, il y a 30 ans. Souvenez-vous le trait de la vie en 86 avec Sandra Kim. J'avais la chance que le chemin de fer m'avait fait confiance et m'avait vendu un train. Et vous, vous l'avez rempli. L'année après, l'œuvre belge du cancer me convoquait et disait « Mais pourquoi vous faites ça, monsieur Doudou ?» Je dis « Voilà, moi je voudrais faire un camp, comme les scouts, comme les patronnés. » Et leur foulard à ces enfants, eh bien ce serait le cancer. Et depuis 30 ans, oui, grâce à vous, car on a besoin d'argent. Vous savez, c'est le nouveau Dieu de la Terre depuis qu'elle existe. On a besoin, mais de votre cœur. Et cette année, nous avons fêté le 30e anniversaire. L'année prochaine, c'est déjà réservé 17 chalets au Val d'Arimont. Alors, pour toutes les mamans, pour tous les papas, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont quand même leur enfant parce qu'on guérit, tous ceux qui l'ont perdu. Moi-même, j'ai perdu mon papa de la leucémie et ma sœur il y a 19 semaines. Merci. Continuez. Et vous, les battants, merci d'être là. Vous êtes la présence vivante et le résultat de ce que la Fédération belge contre le cancer ben, fait du bien. Merci, danke schön, danke. Et pour chez nous à Verviers, merci Beko. Voilà, alors la presse me demandait tout à l'heure ce qui était nouveau cette année au Relais pour la vie. Et je pouvais dire que cette année, la Fondation a vraiment envie de se rapprocher de plus en plus des communautés locales en soutenant des projets chez nous. Ça veut dire que nous aurons une partie du bénéfice de ce que nous allons récolter ce week-end qui sera consacrée à des projets notamment de bien-être et d'accompagnement des malades sur la base de nos hôpitaux locaux ou d'associations qui accompagnent nos battants.
Alors je crois que ça, c'est encore une raison supplémentaire pour essayer de les soutenir. Maintenant, je vais descendre de ce podium. Je vais rejoindre les membres de mon comité que je tiens vraiment à remercier de tout cœur parce qu'il y a un an qu'on prépare cette belle fête avec vous et pour vous. Et nous allons évidemment lancer ce relais pour la vie et nous allons soutenir avec le comité, nous allons pousser les battants pour montrer que nous sommes vraiment derrière eux. Et j'invite tous ceux qui sont restés dans les équipes à applaudir chaleureusement tous ces battants qui font l'effort d'être là pour certains, parce que ce n'est pas toujours évident, mais qui prennent vraiment beaucoup de plaisir. Et nous leur manifestons vraiment une seule chose, c'est tout notre amour et toute notre affection. Tu viens avec nous ? Qui a le ruban? Il est là. Ok. Olivia. Voilà. Donc, Olivia va symboliquement, au nom de tous les battants, même si elle a la chance de ne pas être battante, elle va couper ce ruban qui va faire le symbole du démarrage de ce fabuleux relais. Et vous avez derrière la banderole qui est portée aussi par des battants fièrement. Donc je vous invite vraiment à les applaudir et à les soutenir. Bon relais pour la vie à tous!